Là, ces jeunes ne sont pas du tout formés, ils sont juste militaires. Donc ils ont passé des tests pour voir si physiquement ils étaient aptes, si médicalement ils étaient aptes. Ils ont fait des entretiens avec les conseillers en recrutement. Et après avoir établi qu'ils avaient le profil pour être militaire, là, ils vont intégrer l'armée, donc avec leur formation initiale, puis la formation de spécialité pour chacun. Donc aujourd'hui, on a une particularité, on a quasiment tous les cursus, donc officiers, sous-officiers, militaires du rang, et deux pour la BSPP, donc les pompiers de Paris. En gros, nous, en Vendée, on fait 150 signatures par an.